Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule. En fait, la première qui porte sur la première classe de mots. Évidemment, encore une fois, je vous précise qu'il s'agit d'apprentissage très simple pour vous amener vers le plus complexe. Tout n'est pas dit, mais on voit vraiment la base. Donc, en fait, je vais vous faire réfléchir un petit peu sur un nom commun. C'est pour ça que je vous ai mis une petite image un peu drôle, en fait. Les chercheurs ne s'entendent pas encore sur l'origine des langues, hein, sur l'origine des mots. Ils ne savent pas si c'est quelque chose qui est biologique, qui est interne à l'homme, ou si c'est quelque chose qui est culturel, qu'il a fallu, qu'on a appris avec le temps. Mais ce sur quoi ils s'entendent, c'est que les êtres humains ont commencé à communiquer à partir de la réalité qui les entourait. Donc, j'imagine que l'homme des cavernes qu'on peut voir ici sur son gros mammouth devait faire des sons pour exprimer la réalité qu'il voyait. En fait, quand on parle de réalité, ça m'amène à vous parler du nom commun parce que le nom commun fait appel à une réalité portant surtout sur les sens. Donc, un nom commun, c'est quelque chose, c'est un mot que je peux voir. Donc, actuellement, je ne sais pas où vous êtes, mais là où vous êtes, si vous regardez autour de vous, tout ce que vous voyez, ce sont des noms communs. C'est souvent tangible, réel, concret, donc je peux toucher, les voir. Donc, ceux-là sont quand même assez faciles à repérer. Si je vous donne un exemple, par exemple, des mots comme bras, pomme, pluie, chat, homme, jouet, ce sont tous des réalités que je peux voir, je peux nommer, mais j'imagine que ce sont les premiers mots que l'homme des cavernes ont dû prononcer. Ceci dit, il y a d'autres sortes de noms communs, ceux que je peux vivre ou ressentir, ceux qui font appel davantage à des concepts, à des réalités que je ne peux pas voir, que je ne peux pas toucher, mais qui sont tout de même des noms communs. Alors, si je vous donne des exemples, vous avez des mots comme chaleur, récréation, tristesse, air, hein, dans le cas de la chaleur, je peux pas voir ça, une chaleur, je peux pas en acheter le magasin. Une récréation, ben, je peux voir des enfants qui jouent. Mais la récréation, elle n'a pas de forme. La tristesse non plus, c'est une émotion. D'ailleurs, toutes les émotions sont des noms communs. Donc, la tristesse, je peux voir quelqu'un qui est triste, mais je ne peux pas voir la tristesse, l'air non plus. Je peux sentir l'air, je peux ressentir l'air, je peux vivre une tristesse, je peux vivre une récréation, mais je ne peux pas les voir ni les toucher. Si j'apporte d'autres aspects aussi du nom commun, c'est que le nom commun fonctionne avec le déterminant. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu le déterminant. On va le voir bientôt, mais vous avez certains d'entre vous, en tout cas la plupart d'entre vous, savez ce que c'est. Donc, le nom est presque toujours accompagné d'un déterminant qui le précède. Bon, je dis presque toujours parce que des fois, on va partir avec un déterminant. Le chat, chien, ou on va dire chat, chien et poule sont des animaux, surtout quand sont des animaux intéressants. Et on utilise ça surtout quand on veut faire du style au texte quand on veut créer un certain rythme. Mais sinon, la plupart du temps, le nom commun est précédé d'un déterminant. Par exemple, je vais dire un bras, la chaleur, certains hommes, mon jouet, sa pomme, etc. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Alors, c'est le nom commun, c'est ça. Un nom commun, c'est une réalité que je peux voir, vivre ou ressentir. Donc, c'est assez facile à voir. C'est souvent précédé d'un déterminant. Il y a d'autres mots qui sont précédés d'un déterminant, comme l'adjectif, mais en fait, c'est que le nom commun, je ne peux pas l'écrire sans le déterminant. Il fonctionne avec, règle générale. Donc, voilà. On va se voir pour la prochaine capsule qui va porter davantage sur le rôle du nom commun.